Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve dans Pikmin 4 pour le 46e Let's Play. Mission de secours, jour 45. On va commencer par se prendre des petits Pikmin de glace pour compléter notre effectif. Donc on monte sur le chien. Hop, et c'est parti. On va prendre des Pikmin glace ici et on va compléter notre effectif. J'en prends 100. Et c'est parti. Un là. Un ici. Un là. Un là. Et normalement, il y a des quêtes secondaires à rendre aussi pour encore avoir des points. Ça, on va faire aussi. Hop. Un ici. Un ici. Alors, on va voir où sont les quêtes secondaires à rendre. Ici déjà, à mon avis. Et voilà, 30 matériaux, parfait. Non. Ce qui est bien, c'est qu'on peut les refaire en boucle. Alors, est-ce qu'il y a encore d'autres quêtes à rendre? Je pense qu'il y en a peut-être encore une autre. On va regarder. Mieux, c'est peut-être de regarder finalement. Ouais, je vais regarder. Alors, liste des missions. Mission annexe, c'est fait. Mission terminée, allez faire votre rapport à Hush. Il est où Hush? Il est où Hush? Est-ce que c'est pas lui Hush? Non, ça c'est pas Hush. Je vais regarder sur la carte, c'est le mieux. Je l'ai épinglé, mais je vois même pas où il est. Je vais regarder sur la carte où est Hush, c'est le plus simple. Alors... il doit être là. Hush. On va faire rejoindre. Voilà. Comme ça, on y est tout de suite. Et voilà, encore 30 matériaux. On va voir un petit peu à combien ça va nous mener, tout ça. Donc on a 170 matériaux. Bon, je vais voir si je peux pas m'acheter encore un truc. On va récupérer tous les pikmin. Voilà. Ici, est-ce qu'on peut encore s'acheter un petit quelque chose? Allez au laboratoire. Alors, module vitalité plus, anti-choc, aéroblindage, aéroblindage plus plus, botte anti-gadou, mais j'ai pas assez. Ah oui, ça me ralentira plus, d'accord. Bon, je vais attendre. Alors, est-ce que Ochin a 3? Ah, Ochin a 3, on va faire le dressage d'Ochin, on va lui acheter super morsure. On va acheter super morsure ici, voilà. Toi, requis, voilà. Il nous restera plus que la charge, la nage, le creusage et les ordres. Parfait. Alors maintenant, on va tenter de finir les rivages sereins à 100%. Ici, on va tenter de faire le 100% ici. Voilà, sauvetage 9, trésor 82 sur 86 et oignon 3 sur 3. Il nous manque 4 trésors et 1 sauvetage probablement. Alors c'est bien, ils ont rajouté une petite barre en dessous maintenant de progression. Il y a eu une mise à jour aujourd'hui de Pikmin et il y a une petite barre de progression. Nous sommes vendredi, le 29 septembre, et ils ont fait une petite mise à jour, une petite progression. C'est pas mal. On voit ce qui reste comme temps de chargement. Alors on va commencer par prendre des bleus. Des glaces ici. On va commencer par là.
Donc, on va prendre ici. On va là. On fait les glaces. Hop, 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 hop. Je vais tenter de geler l'eau. Si j'avais envie d'essayer en gelant l'eau pour voir si ça marche ou pas. Ou si c'était une fausse idée. On va voir tout de suite. Voilà, on va prendre tout ça. Ça nous fera déjà des Pikmin. Alors maintenant, on va prendre ceux qui sont conseillés. Hein. Donc, on va gentiment les laisser tout prendre. On va prendre ceux qui sont conseillés. Hop, je récupère celui-là parce que sinon, il ne comptera pas. C'est ici les conseillers? Je ne sais plus. Ouais, c'est ici. On va faire suggestion X. Voilà, et c'est parti. Ah oui, mais je pourrais pas geler l'eau, forcément. Alors, on va tenter d'aller... En fait, on doit aller là-bas. Attendez, que je recherche où c'est. On doit aller ici. Il faut pas vraiment aller par là. Vous voyez, le chemin est bloqué par là. Alors, je sais plus s'il faut traverser ici ou s'il faut traverser là, par ici. Je ne sais plus très bien. Je sais qu'il y a moyen de traverser. Est-ce que c'est par le sauna des glaces? Je crois pas qu'on ressort là par le sauna des glaces. C'est peut-être ici le fort englouti. On va aller au fort englouti. Si ça marche pas, j'essaierai de faire le gel comme je voulais faire. Est-ce qu'on ressort de l'autre côté ou pas? Je sais pas. On va voir tout de suite. Ah, c'est pas vrai, j'ai lancé dans l'eau. Pour faire le fond englouti, il faut que je descende. Ah non, je peux rentrer. On va directement aller au niveau 5. Ici. On prend 100 Pikmin bleus. Et on va tenter de sortir pour voir si on va bien de l'autre côté. Hein. De nouveau la petite barre de chargement qu'on n'avait pas avant. Et voilà, le fort englouti, le dernier niveau. Alors je pense qu'on peut sortir tout de suite. Ce qui est bien pratique. Donc on va pas attaquer le boss puisque on peut sortir. Par contre, on va convertir nos Pikmin. Pourquoi pas? Ce sera bien pratique. On a un bon truc pour farmer ici les Pikmin violets. Dont on n'a pas encore l'oignon. On a perdu quelques-uns aussi, dernièrement. Et en même temps, on va voir si on ressort de l'autre côté ou pas. Remonter à la surface. Et on ressort. Et je tiens à remercier Benjamin qui m'a expliqué comment faire parce que j'avais complètement oublié qu'on ressortait de ce côté-ci et j'ai cherché comme un malade comment faire pour revenir ici et je trouvais plus. J'aurais dû re-regarder une de mes vidéos. Et donc je remercie Benjamin qui m'a vraiment super bien aidé. Il m'a bien expliqué exactement ce qu'il fallait faire. Et si j'avais pas activé le raccourci en plus, c'était bien bête. Et donc maintenant on va pouvoir continuer la progression. Merci à Benjamin, il se reconnaîtra. Hein. Voilà, et maintenant on est bien parti pour faire le 100% grâce à lui. Et voilà, on prend ce truc là. On passe là maintenant en l'air. Il y a un trou ici encore aussi. Aïe, aïe, bestiole. Oh là là. Voilà. Ah, c'est le moment d'attaquer, les gars. On a malheureusement tué un Pikmin, c'est pas grave, c'est que un. Alors, on va remonter sur le chin. Alors là aussi,
Allez, fleurissez. Ah, c'est un trésor, ça, en fait. Parfait. Et ici, par contre, c'est un... C'est un... Comment dire ? Un truc pour fleurir. Là, je crois qu'ils vont fleurir, hein. C'est bon. Ok, on va continuer avec ceux qu'on a. On va aller explorer par ici, voir s'il y a encore quelque chose à récupérer. Puis on prendra le truc pour sauter. Alors ici, il y a encore un ennemi aussi. On va aussi l'attaquer, hein. Hop. Allez. Et voilà, c'est terminé pour lui. Ah, ils sont tous allés dans le trou maintenant. Bon, autant... Bon, on va faire fleurir ceux-ci en attendant. Allez, c'est parti. Bon, où est-ce qu'ils vont? Ouh là là là, attention là. Il y a une araignée. Donc j'attaque l'araignée. Voilà. Ah, celle-là est morte. Donc on va aller récupérer tous nos Pikmin, parce que là on est un petit peu en délicatesse. Il nous en manque pas mal. Mais on continue à progresser. Donc il fallait pas geler l'eau, hein. Il suffisait de traverser, comme avait dit Benjamin, tout simplement. Je m'en souvenais plus, c'est bête. Allez, on prend les trésors. Tout le monde revient avec, et on repart. Allez, on repart là-bas, on continue l'exploration. On va finir tout ça à 100%, j'espère, aujourd'hui. Alors, je vais peut-être regarder ma carte pour voir où je dois aller après. Je peux peut-être sauter par là. Non, je peux que sauter par ici. Ici, je pense qu'il n'y a plus rien, donc on va continuer. Ah, j'ai encore un trésor là-bas. Hop, hop. On va vite aller le choper. Ici, ah, il y a aussi... on va essayer de faire fleurir. Ce serait chouette. C'est bon. Ici. Allez, c'est parti. On en envoie 10. C'est bon. Alors, qu'est-ce qu'il y a par ici encore? Ah, il y a un truc d'endoré ici. On va attendre qu'ils aient fini de ramener le trésor, hein, parce que sinon ça va invalider, parce que tout s'arrête quand vous allez dans les grottes. Donc on va attendre qu'ils aient ramené le trésor. Ouais, on peut attendre longtemps, remarquez. Je vais surveiller d'ici, je regarde sur ma carte ce qu'il y a encore à faire. Ah, il y a encore un trésor ici, tiens, j'essaie de le choper avant. On va aller là. Je vois pas de trésor, moi. Ah si, là, on peut creuser. Allez, creusons. Ouais, il me semble que Benjamin me l'avait dit aussi, qu'il y avait un trésor dans le sable, il me semble. Voilà, on le sort du sable. Comme ça, on aura le 100%. Allez, on attend aussi qu'ils reviennent. Les autres sont quasi arrivés, c'est quand même assez loin. Donc là maintenant, normalement, on a chopé tous les trésors. En tout cas, tous ceux qui étaient notés sur ma carte. Normalement, ils se notent tous, hein, parce que j'ai le gadget qui permet d'avoir tous les trésors notés. Donc là, j'ai dû choper tous les trésors. Il me reste juste à faire ça ici. Et ça, je le ferai dès que les Pikmin auront tout ramené. Je vais attendre qu'ils ramènent tous les trésors, sinon ils vont s'interrompre, ça va être embêtant. Moi, je préfère galoper au dernier moment. Matériel de musique, parfait. Allez, le dernier petit truc. Ceux qui restent là-bas, ils sont à l'abri, il n'y a pas de souci. Voilà, on peut y aller. Et voilà, on va finir la zone. Ça, c'est chouette. Donc, il y avait moyen de finir sans avoir les Pikmin glace, et je pense que geler m'aurait rien rapporté, en fait. Mais bon, c'était une drôle d'idée que j'avais. Vos Pikmin ne peuvent pas songer à vous. Récupérer les trésors et les carcasses dont le temps est parti. Ça va encore être chaud, ça. Ça va encore être chaud. Levage de poids. On me rappelle.
Allez, c'est parti. Ah, il est mort. Allez, on prend le chien, on l'envoie faire ceci. Maintenant, où sont les jaunes? Ah, les jaunes arrivent. Faut choper les jaunes. Allez, les gars. Le chien, il continue à prendre le truc. Ok, on part avec les jaunes. Où est-ce qu'ils sont? Voilà, et on va attaquer la méduse. Puis on pourra prendre le reste. On attaque la méduse. On recommence. On attaque la méduse. Là, c'est bon. On prend le chien. Il va prendre ceci. Voilà. Maintenant, tout ça ici. C'est parti. On se dépêche. On va peut-être les accélérer un peu. On va les accélérer. Alors le chien, vite, vite, vite. On va là-bas avec le chien attaquer le trésor là-bas. Alors on va le faire attaquer ceci ici. Vas-y. On va les tuer. Et voilà, pareil ici. Vas-y. On récupère les Pikmin. On n'appuie pas sur le bouton pour la grille, c'est pas encore, on n'en a pas encore besoin. On va récupérer les Pikmin ici. On va tous élancer là sur l'œuf. Allez, tout le monde fleurit. Parfait. On remet ça, le chien est prêt. On va le faire prendre ici. Les 15 jaunes. Voilà, encore un, il en manque un. Non, c'est bon. Ici maintenant, le chien, il va déterrer la grosse pastèque. Boum. Ici, 7. Là, 7 autres. Allez, c'est parti. Encore, il en manque un. Il en manque un, c'est pas vrai. On va récupérer un Pikmin. Là-bas, c'est malin, ça fait beaucoup d'aller-retour pour que dalle. Allez, on se dépêche. Après, on va aller attaquer les trucs de l'autre côté. C'est bon. Lui, il ramène le truc, ça va prendre un temps fou. On va ramener les autres trucs là. Un là. Voilà. Les autres ici. Ici, pareil. Ils sont pas assez nombreux. On y retourne. Si j'enlève l'eau, ils pourront plus passer. Donc, il faut pas enlever l'eau. Vite, vite, on se dépêche récupérer les autres. Là, voilà, hop, on récupère les autres. On passe. Hop, on prend ce truc-là. Puis après, on pourra enlever l'eau. On enlève tout ça ici. Dès qu'ils seront passés, on enlève l'eau, on casse le truc. Donc on attend ici qu'ils soient passés. Maintenant qu'ils sont passés, on enlève l'eau. On appuie sur le bouton. Allez, chevaucher, on enlève le bouton dès que ça fond, on appuie sur le bouton, c'est bon, la grille est ouverte maintenant, on récupère les jaunes pour aller attaquer la méduse, on fait un max de jaunes pour la méduse, c'est parti, on attaque la méduse, c'est bon pour la méduse, maintenant on descend d'Ochin, on lance le chien sur ça. Non, le chien, sur ça. Les autres ici, là-dessus. Allez, on défait tout. Parfait, la patate. Alors, les autres ici, les autres fruits. Hop, c'est parti, on se dépêche. Tous les autres fruits, c'est bon. Alors, Ochin ici, il va. Allez, Ochin. Tu vas chercher la truc là. Allez hop.
Ok, on fait fleurir. On récupère les petites mines, on va attaquer la zone suivante. On récupère tous nos Pikmin. Zone suivante. Plop, plop, plop. On continue par là. On prend les jaunes pour attaquer le truc là-bas. Les bleus pour l'autre truc. Donc ici les jaunes. Casser le truc. Voilà. Parfait. Les bleus ici. Les fruits. Les fruits là. Allez. Alors, qu'est-ce qu'on a encore? Encore plein de trucs là. On est déjà... Oh là là, l'ennemi là. On va l'attaquer avec Bidule. Donc, allez, vas-y. Attaque. Les jaunes ici. Hop, on les récupère. On peut attaquer le fruit là. Hop, 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 hop. Parfait. Alors, ici. Maintenant, il faut récupérer des bleus pour attaquer la gelée. On ne peut pas enlever ceux-là parce que sinon, on ne pourra plus passer. Plus qu'une minute. Allez, on se dépêche. Les jaunes ici. On récupère là-bas ce qui reste. Hop. Allez, on se dépêche. On se dépêche, c'est peut-être encore gérable. Ça va être chaud, hein, mais... Allez, on attaque ici. Là, je l'ai là. Allez, tout le monde chope le trésor. Ah, ça a l'air long, hein. Je crois qu'on n'aura plus le temps de le choper. Ça va être trop juste. On est à 264. C'est pas si mal, mais c'est trop juste. Ouais, c'est trop juste. Bon, c'est pas mal quand même. De toute façon, il valait que 10 celui-ci. Le temps est écoulé, mais on a fait une médaille d'argent. C'est pas si mal. Et voilà. Et bien voilà, je pense qu'on a atteint le 100%. Alors on va prendre que des bleus pour les régénérer. Donc on va faire rentrer tout cela, et on va prendre des bleus, pas des bleus, des glaces. Voilà. Et je pense qu'on a le 100%. Ah voilà, il faut encore prendre lui pour faire le 100%. Allez, on chope. Il faut vérifier si on a bien le 100%. On va voir ça. 99%, oui, on y est, puisqu'il doit encore ramener le gars. Et donc on a le 100% ici, c'est parfait. Encore merci à Benjamin, je le dis tout le temps, hein, mais il m'a vraiment bien aidé. J'avais complètement oublié qu'il fallait traverser. C'est bête, hein. Mais bon, ça c'est quand on joue pas tous les jours et qu'on coupe pendant plusieurs jours parce qu'on fait autre chose. Ça a des désavantages aussi, parce qu'on oublie. On va changer de position après pour aller récupérer ailleurs. Ah, fait, pendant ce temps-là, on peut prendre des trucs, ça me sert jamais, mais... Ok, faisons-le. On sait pas, ils auront ramené les deux, donc ça sera bien. On sera prêt pour aller à un autre endroit. De toute façon, on doit attendre que la journée passe, donc. Et voilà, ça c'est le 100%. PNF 404 comme d'habitude. Ouais, il faut que je fasse une inspection de nuit pour les médicaments. Ok, il y en a beaucoup ici. Hein. Et voilà, on a tout dans la zone. Nous sortir, on va changer de zone pour aller, augmenter nos Pikmin. Notre nombre. Donc ceci, on les récupère tous. On fait bien attention de tous les avoir avec nous. On les laisse pas retourner. Par contre, ici, il faut qu'ils rentrent les fruits quand même. Allez, les gars, rentrez les fruits.
Non, vous retournez pas. Et maintenant, on va regarder où on peut aller pour encore. Il doit y avoir un autre truc où on peut mettre notre... Ah ben, on va aller là. Voilà, on va aller ici. Il y aura sûrement des fleurs tout près pour cueillir des Pikmin. Comme ça, on augmentera encore notre nombre de Pikmin glace. De toute façon, on va attendre que la journée passe. Donc, autant faire ça. Puisqu'on a atteint le 100%, je vérifie quand même. Mais voilà, 100%. Parfait. Hop, stop ici. B, arrêtez. Et bien voilà, il y en a ici aussi. On va mettre la base ici. Transférons la base, déplacer la base. Oui. Et c'est parti. On va choper les Pikmin. Hop. On va refaire le stock. Deux bleus. Hop, un ici. Hop, un là. Hop. Quelques-uns là. Et c'est bon. Ah, il y en a encore ici qui arrive. Ah, il y a encore des fleurs là-bas, on va aller choper aussi. Il y a encore des fleurs ici. Même une de 10 même. Et une de 5 là. On va choper celle-là. 5 ici. Une de 10 là-bas. Hop, je suis tombé, c'est malin. Faire le tour. Prendre la fleur de 10 ici. On peut mettre l'oignon ici peut-être. Non, même pas. Hop, on prend celle de 10 ici. J'attends qu'ils reviennent. Enfin, je peux déjà aller de l'autre côté. Je regrimpe ici. Là, j'attends peut-être qu'ils aient pris. Ouais, ils viennent de loin les autres. Est-ce que par ici il y aurait encore des fleurs ou pas? Moi, on dirait que non. Je dirais que non. Mais il y a des matériaux. Ce sera peut-être le temps de les transporter. Bon, ils auront peut-être le temps de les transporter. Malgré qu'ils sont quand même très loin. On verra bien. Si jamais ils n'y arrivent pas, j'irai les récupérer. Enfin, je crois qu'on a fait toutes les fleurs, donc maintenant on n'a plus qu'à attendre que le temps passe. Bon, je récupère ceux-ci. J'en ai encore deux inactifs quelque part. Bon, j'ai rappelé tous les inactifs sur moi. Donc, ici, inventaire. Rappeler tous les inactifs. Lève là. Ce serait bête d'en perdre. Hein. Et voilà. Ça en est bon. Et je crois qu'il n'y a plus rien à faire dans la zone. Hein. Je ne sais pas si on s'est quitté. Est-ce qu'on peut quitter et arrêter ici? Est-ce que c'est possible? Si je fais le menu. Revenir en arrière, jouer en coop, arrêter l'exploration. Ah oui, on peut arrêter l'exploration. Bah, je vais arrêter l'exploration, j'ai tout récupéré. Arrêter l'exploration pour aujourd'hui. Eh ben oui, on peut. Je n'avais jamais remarqué. Et donc, on arrête la journée puisque tout est fait. On a fini la région à 100%. Donc, c'est nickel.
Et voilà, un feuillu de sauvé. Maintenant, il va juste falloir encore aller chercher les médicaments. La sélection tropicale est terminée. Encore un bonus. C'est parfait. Et on passe bien à 100%. Merci Benjamin. On passe de 85 à 100. Et voilà, le tour est joué. On a perdu un Pikmin Glace et on en a gagné 54. Donc c'est plutôt bon. Alors dans l'émission annexe, normalement, on doit avoir des nouvelles choses à rendre la prochaine fois. Notamment, explorer à 100% les régions. Voilà, explorer 3 régions à 100%, ça fera 30 matériaux. Et ce sera tout. Et c'est chez qui? C'est chez Wally. Parfait, il est tout près, lui. Et bien voilà, je vous dis merci et à très très bientôt pour la suite.